Yo la team Titi Partage, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment désactiver Google Meet sur Gmail, sur votre compte Gmail, et j'espère que le tuto va vous plaire. Let's go! Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, la suite derrière mon écran. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Titi Partage. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je suis super bien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre comment désactiver Google Meet sur Gmail. Mais avant de commencer, je t'invite à donner un gros thumbs up à la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu es nouveau sur la chaîne. Si c'est déjà fait, c'est parti! Alors, pour désactiver Google Meet sur Gmail, sur ton compte Gmail, tu vas tout simplement ouvrir Gmail comme ceci. Voilà. Tu vas choisir le compte que tu veux désactiver Google Meet. Voilà, le voilà, le petit bonhomme là. Voilà. Puis, tu cliques sur les trois petits points à ta gauche. Voilà. Tu suis vers le bas. Pardon. Voilà. Normalement, généralement, c'est comme ceci. Tu suis vers le bas. Et puis, tu cliques sur paramètres. Et tous tes comptes Google vont s'afficher comme ceci. Tu vas tout simplement sélectionner le compte où tu veux désinstaller, désactiver le Google Meet sur Gmail. Donc, tu cliques sur le compte comme ceci. Tu suis vers le bas et tu cherches l'onglet Google Meet comme ceci. Réponse automatique désactivée. Meet, afficher l'onglet Meet pour les appels vidéo. Voilà. Si il est coché comme ceci, ça veut dire qu'il est affiché sur la page, mais s'il est décoché comme ceci, il n'existe pas. Voilà, et vous voyez, on a été ramené à la page comme ceci, et l'onglet Google Meet n'existe plus. Pour le réactiver, vous allez faire pareil. Vous allez cliquer sur les trois points, swiper vers le bas, aller sur paramètres, choisir le compte, voilà, swiper vers le bas jusqu'à trouver l'onglet Meet, et vous cochez tout simplement, et voilà. L'onglet réapparaît comme par magie. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, à la partager au maxi sur vos réseaux sociaux. Restez connectés. Le meilleur reste à venir, comme je vous ai toujours dit. C'était Titi Partage. Ciao, ciao.